extrêmement reconnaissant de vous être dérangé. Madame McNeil m'a demandé de tout faire pour vous faciliter la tâche. Elle était très attachée au révérend père Merrin. Elle est persuadée qu'il a donné sa vie pour Richard. Croyez-vous qu'il sera canonisé? Le monde ne s'intéresse plus aux saints. D'ailleurs, cette enquête n'est pas officielle. Lorsque le père Merrin est arrivé, de quelle façon s'est-il préparé? A-t-il prié? C'est resté un mystère pour les autorités. Est-ce que le père Merrin n'a jamais nommé le démon? Non, mais le démon le connaissait. Qu'en savez-vous? Il a prononcé le nom de Merrin. Vous a-t-il semblé que le démon attendait la visite du père Merrin? Oui. Et avec appréhension. Est-ce que le père Merrin avait peur? Venez plutôt voir la chambre. Dans quel état se trouvait Régine lorsque le père Merrin est monté chez elle? Hideuse, défigurée par le mal, et je n'arrivais plus après ça à rester en sa présence. Vous vivez avec elle maintenant? Je suis restée 2 ans loin d'elle. 2 années lancinantes où j'ai cru devenir folle. Où j'étais hantée par le désir de la revoir. Et puis je suis revenue pour découvrir que c'est uniquement avec elle que j'ai l'esprit en paix. Pourquoi en est-il ainsi? Alors je cherche à comprendre et j'ai peur. Je ne suis pas ici pour vous. Là. C'est là. La prière. Avez-vous essayé la prière? La prière? Touché par l'ombre du malin. Et pour moi-même.